Ça, c'est le bisou de départ. Voilà. Le Chez bisou, son coiffeur traditionnel, on ne fait pas un bisou. Bah, nous, voilà, c'est toute la journée. Je m'appelle Marion, je suis gérante de la Cachette Secrète. Donc, c'est un salon de coiffure pour toute la famille et une librairie jeunesse. Déjà, j'ai pu profiter d'un congé parental pour préparer tout ça. Ça m'a mis 18 mois pour tout créer. Après, il a fallu créer un business plan, aller voir les banques. Une fois que j'ai pu convaincre une banque, j'ai pu ensuite aller voir Initiative Nord Seine-et-Marne. C'est un prêt qui est accordé aux créateurs d'entreprise sous couvert d'un prêt bancaire d'abord. Je me suis présentée face à un jury de 14 personnes. Il y avait des comptables, des avocats, des directeurs de banque, et donc du coup qui m'ont posé des questions très techniques donc sur toute la partie financière. Et du coup, à l'issue de ça s'appelle un comité d'agrément, à l'issue de ce comité, j'ai pu avoir, donc c'est comme une bourse en fait, c'est un prêt d'honneur, ça s'appelle, qui est à taux zéro. Pour pouvoir du coup financer tout le stock de la librairie et du coup avoir une légitimité auprès des banques. Et donc les deux mis bout à bout, j'ai pu avoir un financement pour créer. J'ai été présente du coup beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais créé moi-même un site internet, donc avec Wix. Mais du coup, ça me permettait déjà d'avoir une visibilité sur Internet. J'ai pu participer à plusieurs événements. J'ai fait plein d'événements qui m'ont permis d'être présente et d'avoir une visibilité. De fil en aiguille, le fait d'avoir été présente sur ces événements, du coup, ça a fait une publicité dans les magazines de la ville, par exemple. Du coup, le Parisien est venu me voir, la Marne est venu me voir, on a fait des interviews. Et du coup, ça a fait boule de neige. J'ai une radio aussi qui est venue, qui m'a interviewée. Donc, du coup, voilà, ça a fait une belle visibilité. On s'est rendu compte très vite que quand on a les enfants, c'est très compliqué d'aller répondre au téléphone. La réservation peut prendre 10 minutes au téléphone et du coup, quand on revient sur les petits, c'est fini, ils n'ont plus envie d'attendre. Donc du coup, on répond. Au jour d'aujourd'hui, on ne répond même plus au téléphone pour prendre les rendez-vous. Parce que voilà, il y a le message sur le répondeur si les gens appellent. Rendez-vous sur notre site internet, lacachettesecrete.com. Et prenez rendez-vous directement en ligne, voilà. Et du coup, ça fonctionne très bien. Elle va suivre une formation. Ça va pas durer hyper longtemps, mais c'est surtout que il y a toute la technique d'approche pour les petits. Ils nous connaissent pas. Ils arrivent dans un lieu complètement nouveau. Généralement, c'est des petites boues qui ont entre 15 mois et 3 ans. Donc, c'est des petits hommes à conquérir. Donc il y a toute une technique d'approche, de douceur. On ne peut pas arriver en leur disant installe-toi là, bouge plus. Donc là du coup ils arrivent, on les envoie jouer dans l'espace qui est derrière, dans l'espace, on appelle ça la cachette secrète. Il y a des petits trains, des voitures, la cuisine. Ça permet de voilà qu'ils se sentent en confiance. Nous on va jouer avec eux. Ça dure 2 minutes, mais c'est le temps qu'on prend pour qu'ils aient confiance en nous, pour qu'ensuite on puisse leur toucher la tête et leur couper les cheveux, parce que parfois ça peut être très compliqué de couper les cheveux à des petits bouts. Et puis ensuite, quand on arrive à les installer dans la voiture, donc on demande aux parents de rester proches d'eux pour qu'ils puissent jouer avec eux. Donc pareil, il y a des livres, il y a des jouets. On va pas leur demander de pas bouger. C'est à nous de nous adapter à eux. Et du coup, quand on leur coupe les cheveux, on fait très attention. Enfin, on a des techniques pour ne pas les blesser, parce que ça c'est un petit qui tourne la tête, qu'on a les ciseaux, on peut crever un œil. Donc non, là on fait très attention. On va mettre le peigne quand on fait les contours d'oreilles. Quand on tient une mèche, on va mettre toute la main sur la tête pour pouvoir stabiliser la tête qu'au moment où on coupe la mèche, on ne fasse pas d'erreur, parce que l'exigence des parents, c'est que la coupe de cheveux soit parfaite. Et c'est normal, on est spécialisé. On coiffe aussi beaucoup d'enfants qui ont des particularités, des handicaps, donc des enfants autistes.
Ces petits bouchons, bah, c'est des enfants qui sont comme les autres. La grosse victoire, c'est quand on n'a pas réussi la première fois, pas réussi la deuxième fois, la troisième, ça commence à venir, la quatrième, coucou Marion, je vais dans la voiture, hop, on se fait coiffer. Ils bougent pas, ils se laissent faire, pas de problème, et un gros bisou, un gros câlin, bah, quand ils s'en vont, c'est juste génial. Voilà. Et donc ça arrive souvent. Voilà. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Et surtout, quand ils partent d'ici en pleurant parce qu'ils veulent pas partir, c'est bien beau de conquérir les parents parce que on met des paillettes pour les faire venir. Mais les plus exigeants, c'est les enfants.